Ce truc. Allô? Génial, vous auriez pu me dire qu'il n'y avait pas de son. Depuis tout à l'heure, je pars dans le vide. Magnifique. Merci beaucoup, Elfraise. Modo qui sert à que dalle. Non, non, le micro n'était pas mute. Streamlab prend encore un autre micro. Par défaut. Il n'y en a pas par défaut. M'énerve ce truc. Je vous jure, je me rends folle. Allez là, clic droit là. Non? Bah, va avec quelque chose. Pour rester poli. T'as rien qui marche. Voilà, micro mute. C'est mieux. Du coup, je disais bonjour tout le monde. Bonjour Elfraise, bonjour Tupaz, bonjour Marissa, bonjour Ariane. Je relis tout le monde. J'ai chaud. Je crois que ça va terminer en débardeur ou en bustier cette histoire parce que je n'en peux plus. Gueux. Et ben voilà. S'il n'y a qu'un périphérique d'entrée, pourra pas se tromper. Dans la logique. Non mais c'est une blague. Hein. Peut-être un redémarrage OBS, mais si je redémarre OBS, faut que je relance l'œil. Flemme. C'est pas mal les crevisses. Non mais je douille là. Je sais pas si vous voyez bien. Hein, je douille sa maman. J'aurais pas dû bouger ça. Ah, c'est douloureux. C'est compliqué. Non, pas depuis ce matin. Pas depuis hier soir, en fait. Comment je fais pour gérer ce que je voulais gérer? Me fait de la merde, lui. Son. Voilà. Mais en plus, mon micro est enregistré en périphérique par défaut, donc OBS me prend vraiment pour une quiche. Oui, faut que j'en remette. Bah. Je roule ma clope. Il faut que je me mouche. Parce que j'ai l'allergique en train de me dire eh oh, il fait chaud. Ça va pas nous empêcher d'être là. Très bien. Très très bien. Oh, je vous promets que demain je serai pas avec ce t-shirt. Ah, hein. Oh, ça va pas le faire. Peut-être pas de soutif du tout, on verra. C'est la brassière, elle est douloureuse aussi. Bah ouais, je pense que ça va terminer en débardeur, mais le seul débardeur qui me va ample et qui me colle pas à la peau, il est au sel. Enfin, dans la machine actuellement. Oui, non, mais je pensais mettre un bustier tout à l'heure, hein, j'étais à deux doigts. Hein. Bon, après, je me suis dit, on va voir mon petit gras de là, là. Tu le connais, ce petit gras de là, là. Ah, pourquoi je bouge l'épaule? J'en ai marre de moi. J'ai mal. C'est le live de la souffrance. L'autre jour, c'était le live de la fatigue. Là, c'est le live de la souffrance. Je vous jure, faites pas comme moi. Mettez de la crème solaire dès que vous mettez au soleil. Moi, j'ai senti le dos commencer à me brûler. J'ai fait. Je crois que c'est une drôle d'arme. En effet, c'était une drôle d'arme. Et pour ceux qui veulent voir l'ampleur des dégâts, il y a une photo sur le Discord de l'entièreté de mon dos au rouge. Parce que vous voyez le dos sur le Discord. Mais en vrai, là, ça se voit moins. Sur les avant-bras, ça se voit beaucoup moins. Mais hier, j'étais rouge jusqu'aux mains. Les deux mains étaient rouges. Et j'ai aussi devant. Mais ça se voit surtout au niveau des bretelles. Parce que du coup, ça y est, c'est un peu. C'est surremis un peu bien, quoi.
Alors attendez, d'abord j'enroule ma clope, après... Plus j'ai faim. Y'a quoi dans la boutique là? Je vais vous mettre la boutique. On va voir un peu le jeu. Alors, temple des secrets. Nous avons coup décisif. Avocat. Indéfectible et réparateur. Et je n'ai pas les points. Je n'ai pas les points. J'ai envie de dire que tant que tu n'es pas allergique, tu t'en sors encore un tout petit peu. Oui. Oui. Mais je sens que dans pas longtemps, je vais peler. J'aime bien parce que quand je suis comme ça, là, ma tête est aussi rouge que mes cheveux. Alors que mes cheveux sont violets. Hein. Mais bon, cherche l'erreur. Au moins, vous pourrez plus dire que je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Sur les lives. Alors, ils ont rajouté de nouveaux skins d'Azarina. Qui est dégueulasse. Voilà, il est dégueulasse. Sa coupe de cheveux est dégueulasse. Le pantalon est à sauver, mais pas les bottes. Parce que les bottes elles sont beaufs. Et le haut n'est pas à sauver, quoi. Peut-être le bustier. Bah, débardeur, apparemment. Mais la veste. Et le sac, enfin la tenue, quoi. Y'a rien qui va. T'es violette et pas rouge. Non, mais non, mais. Je suis violette au niveau des cheveux. D'ailleurs, faut que je prenne rendez-vous tout à l'heure chez le coiffeur. Pour refaire ma couleur de cheveux. Parce que là, ça va plus du tout. Moi, je les vois, j'ai les racines qui ont poussé. Ça va plus du tout. Bon, du coup, je vous ai montré Zarina. Et ils nous ont sorti le nouveau skin de Légion, là, mais... Pourquoi ils le mettent pas dans le... Dans le truc. T'es tout fait tomber. Du coup, je disais le skin de Légion, que j'ai déjà acheté, hein, vous inquiétez pas. Parce qu'il est trop classe. Hey, coucou Mikayo, comment tu vas? Le nouveau skin de Légion n'est-elle pas magnifique? Oui, du coup, moi, il fait partie de ce que j'ai. Elle est trop belle. J'aime trop. Avec ses petites nattes, là, sur le côté. Avec son petit masque, là, plein de petites pierres. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, je l'ai acheté. Par contre, la Zarina repassera. Elle est dégueulasse. Hein. Tu la trouves flippante? Mais non, elle est trop belle. C'est la Zarina qui est flippante. Zarina, elle a des épaules de camionneur, là. Un problème. Madame est journaliste. Petit Zuzi. C'est pas trop la même morphologie, du coup, ouais. Excusez-moi, je me suis caché dans le micro. Pour bailler. Comment tu vas, Mikayo? Tu m'as pas répondu. Oui, la Zarina, elle est dégueulasse. Mais la Légion, elle est trop belle. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Je suis devenue d'une écrevisse, mais ça va. J'ai été à Saint-Cyr, à la plage de la Madrague. Je sais pas si tu connais. Écoute-moi bien. J'ai douillé. J'ai pris un coup de soleil. Écoute-moi bien. Dans notre monde. Ça piquait, ça piquait, ça piquait beaucoup, ouais. Mais le côté punk kawaii rend le truc encore plus flippant, surtout qu'on est d'accord que c'est un mec. Non, c'est une madame, là. Légion, c'est, comme son nom l'indique, quatre personnes différentes. Deux mecs et deux nanas. Bah, j'y retourne dimanche, Mikayo. Je te dirai où exactement, si tu veux. Mais... Je pense pas que ce soit la plage de la Madrague qu'on y retourne. Regarde les mains de la madame. Oui, bah elle a des grosses mains, et donc.
C'est à force de tuer des gens. Il lui faut de la force dans les mains pour planter le couteau. T'as vu la taille du canif? Merveilleux. Bon, ben, ils ont encore tout cassé. Je peux pas répondre au tel. Allez, hop. Eh ben, voilà. 30 minutes de... 30 minutes gratuites de rabbin. Par contre, je vous le dis, dimanche prochain, je mets la crème solaire, c'est mort. Vu l'état de mon dos actuellement, c'est mort. Je mets le pot de... Je vais mettre le pot de crème solaire dans mon dos. Je vais faire, tiens, étale. Le pire, mon dos était dans le même axe que mes jambes. Hein? Le soleil tapait mon dos, mais il aurait pu taper mes jambes. Mes jambes sont restées blanches comme un cachet d'aspirine. Je suis ravi. Parce qu'on va me dire que je taffe pas. Ben, on sait tous que tu taffes pas. Faut juste trouver une manière de leur dire que c'est faux. Bon, du coup, si on jouait. Mais Caillot, tu veux jouer? J'ai des défis, moi. Toujours pas fini cette faille, bordel. Bon, bah, on va former les poignets, comme d'hab. Hein. Go! Allez, go! Je t'aime, bêta, et. Ah, bah, je t'invite pas. Ah, t'es là. Le casque. Juste. Vas-y, va sur Discord, je te rejoins. Faut que je me mouche. Ça m'évitera de faire deux manips. Non, bah sur Discord, j'ai été plus rapide que Migaïo. Oh, mais Erienne, il faut que tu la... Enfin, je sais pas, là. Moi, je la détesterais, là, entre le cou et le bras, au bout d'un moment. Le ventilo, il tourne pas. Le ventilo, il tourne pas. Reviens ici, toi. Eh Hello? ben, bonjour, Migaïo. Jour. Comment tu vas? Ouais, toi. J'ai le t-shirt qui me frotte la peau, ça fait mal, mais ça va. Ah, c'est terrible, un coup de soleil. Hein. T'as pas vu la photo? Non. Attends, je te la reposte. Pour tous ceux qui sont sur le live et qui veulent voir l'ampleur des dégâts, je vous remets la photo de mon dos d'hier soir. Faut juste que je la retrouve parce qu'elle est un peu plus haut dans le chat. Et entre-temps, ils ont mis beaucoup de gifs. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Tiens, je la reposte en dernier là. Comment ça affiche trop volumineux? Comment? Oh, il va m'énerver. Attends, je vais le faire depuis le téléphone. Ce sera plus simple. Discord me prend un peu pour un con là. Voilà. J'ai reposté. Ah oui, quand même. Voilà. T'es comprends? Moi, je fais pareil en plus à la plage. Je bronze pas, mais je crame. C'est... Ah, mais là, c'est... C'est dingue. Oh putain, ils ont écrit 3 milliards de trucs le temps que j'envoie la photo quoi. C'est surtout plus compliqué de bosser. Elle dort à côté, elle me fout la paix. Ah bon, ça va, celle te fout la paix. Elle est trop choupie aussi, celle pas. C'est sûr qu'elle travaille plus que toi, elle fraise, hein? Tes formes avec la crème solaire. Pour faire tes tatouages au coup de soleil. Non, sans façon, je préfère aller chez le tatoueur.
Il y avait du monde à Saint-Cyr. Bah, j'y suis allé à 8h30, 9h, donc ça va, mais quand on est parti voir les coups du midi, il commence à y avoir pas mal de monde. Ah, c'est bien d'y aller le matin. Ouais. Par contre, elle était gelée. Ah ouais? Ah ouais. Si t'étais pas dedans, tu te caches, tu te gelais les couilles, hein. Parce que du coup, comme c'était tôt le matin et qu'il faisait relativement bon, tu vois, c'était pas suffocant, l'eau, elle était fraîche. Au début, on n'est pas allé de suite, on a bien dû attendre 10 heures, on a papoté sur le sable. Et puis après, on est allé faire un tour dans l'eau, mais pas de suite, hein. Moi, je pense pas, je crame direct. Même scène, je te merde. Oui, je me doute. La team homard. Je suis plutôt team écrevisse, moi. Non, mais le pire, c'est que je me suis dit à un moment donné, faut que je mette de la crème. Et j'avais ma mère devant moi et je voulais lui demander. Sauf qu'elle arrêtait pas de parler avec mon ex-belle-sœur. Et du coup, elle blablatait, blablatait, blablatait. Et moi, j'étais là en train de la regarder, puis je blablatais avec elle, tu vois. Et là, j'ai senti le soleil taper, j'ai fait. Je crois que c'est trop tard pour la crème solaire, en fait. Je sais pas comment j'ai fait pour me faire les bras en plus du dos. Et je sais pas comment j'ai fait pour avoir un coup de soleil aussi sur la poitrine. Parce que quand tu nages. Tu nages. Comment ça s'appelle déjà la nage de base? Tu fais de la brasse. Donc t'as le dos en plein gagnard. Du coup, je sais pas comment j'ai fait pour avoir un coup de soleil sur les tétés, quoi. Y'a pas rien. Bah le dos, oui, la réverbération, mais la poitrine, je sais pas. Je suis pas très sûr. Tu me dis, tu le vois. Là actuellement, rien. Ah, moi non plus, c'est un peu inquiétant. C'est des démons grognons. Ah. Ah la Oh, pétasse! un enculé. Tu crois qu'elle aurait pris le coup pour moi cette chouin? Putain, il a mis un... Chat. Portail. Non, tu sais, j'ai eu un... Putain, un test d'habilité compliqué, là. Bah il m'a perdu le con. Ah, j'ai pas prophylaxie. Je suis là, pire. Espérant que dans le coffre que je fous, je vais l'avoir. La brique? Non, la brasse. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur là? Bah une trousse de soins, parfait. Pour peu qu'il dépasse. J'avoue que le maillot il me faisait un sacré décolleté quand même. Il se fait bien fumer, hein, ce démon Ah mais j'arrive grand. pas à savoir si elle a fini notre gen, la Yui là. Je sais que je dirais que oui, mais je suis pas sûr. Ouais. Ah! Salut Yui! Bah en tout cas, il a pas avocat, hein. Ah, mais il est sur moi. Non, non, mais ça en va du coup. Oh, après, il est venu prendre le hit. Il est
il est con. Hein. Ça se peut. Il était vraiment sur moi et c'était free loup. Salut. Salut. C'est sûr qu'il va venir sur nous. Il va venir sur nous. Ah, il arrive. Yota! Oh non, ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il est nul. Il est parti. Ah, il est parti, ouais. Il est sur le Jeff, surtout, oui. Qu'est-ce qu'il est con. Putain total. Vas-y, je suis à côté d'un jeune. Moi aussi. Enfin, je suis sur un jeune d'ailleurs. Enfin, moi, le jeune, il est fait. Mais je sais pas, t'es parti où, toi? Juste à gauche de la shack. Ah, là où il est parti prendre le hit? Ouais. Ouais, ok, je vois. Je vais venir à la recherche de soins. Je lui fais un totem de bord. Ça va, la première game de chauffe, elle se passe bien, non? Ouais. J'arrive. Oh, une couronne. Attends. Petit détour. S'il te plaît. Merci. Oh, oh. Frisson palpitant, vraiment, là? Super, hein. Oh putain, ouais, d'accord, il accroche juste là en plus. Il est mort ou. Non, il est pédé. Ah non. T'as Boro? Non. Il est parti au fond de la map. J'ai vu au fond de la map. D'accord. Sinon, moi j'ai Boro. Hein. T'inquiète, il est sur l'autre de toute façon. Le pauvre, je suis sûr qu'il doit tuer son obsession, il y arrivera pas. J'ai bientôt fini le gène. Oh bah. Oh bah. Oh, il a TP devant mes yeux, quoi. Tiens, il s'en bat les couilles du générateur, il veut tuer le gars. Il le veut, ça doit être son défi de tuer l'obsession. Bon, il est où son portail de merde? Ça a dû l'activer là. C'est pas un portail devant un totem et une porte, ça pue du cul. Ouais. Voilà, déjà mon ami, tu pourras plus te TP. Bah les couilles, il veut que lui, que lui. Ah, il le veut, il le veut, je te dis. Je suis blessé devant lui, il me chase pas. Hein, il doit tuer son obsession, je pense. Et ben, j'en ai rien à foutre, il va pas finir sa mission. Et ben, je m'en bats les couilles, il finit pas. Oh yes. Voilà, les chats. BG. Bah alors, faut que tu sortes par contre, faut que tu sortes. Du con. Faut que tu sortes, moi je suis à leur porte, hein, je peux sortir. Ouais, t'inquiète. Hein. Bon. Ah, je suis tellement content. Je lui ai fait coucou à la fin. Oh là là. Il est venu à ma porte, j'ai regardé en mode ça va? Il m'a dit ouais ça va, vas-y casse-toi. J'ai pris un gen rush le port.
C'est pas qu'il s'est pris un jeune rush. Merci pour le GG. C'est pas qu'il s'est pris un jeune rush, c'est qu'il a absolument focus une seule personne de toute sa game. Il nous a tapé, nous, une fois chacun, mais il voulait absolument le Jeff. Putain, il avait réparateur, frisson palpitant, et oppression pour pas qu'on finisse les gènes. Ah. Mais il est con, quoi. Mais ouais. Passer game, si tu dois tuer l'obsession, que tu t'en bats les couilles des gènes, en fait. Il doit être con, ça m'étonnerait pas. Ah bah là, il a mis toutes les perks pour pas qu'on fasse les gènes, et c'est pris un gène rush, hein. Il y a un problème. Clairement, là, il y a un souci. Ça aurait pu être pire, mais il y a des moments où je les troll un peu. C'est pas gentil. Ouais, bah après, il a cherché un peu. Je vois qu'il était un peu bidon quand même, hein. Il devait pas avoir la lumière à tous les étages. Ouais. Vous voulez prendre les... Ça approque trop vite. Putain, ça approque... oui, beaucoup trop vite. Bah, je m'en fous, me laissez prendre mes points. Voilà. On lui répond bien quand on peut plus rien faire, tu sais. Cake, ouais. Oh, j'avais même pas vu. J'ai vu là, là où j'ai répondu. Oh, oh. 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 Ah. Connais, oh. Tu sais que tu peux passer ta souris sur les offrandes, tu les vois avant qu'elles s'affichent. Ah, c'est vrai. Parce que là, tu t'es excité tout seul, tu t'es enjaillé en mode oh, 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 oh. Ouais, mais ça rajoute un peu de suspense, c'est bien. Il est vrai. Oui, bon, on lui a répondu, on a eu le temps de lui répondre. Ouais, c'est vrai. Moi, je le fais surtout quand je vois que l'offrande du tueur... Enfin, je le fais tout de suite, en fait, je regarde l'offrande du tueur. J'ai pas envie de me faire suspense pour Amaury, tu vois. Ouais. D'attendre qu'il se retourne alors qu'il ne se retournera pas. Mais tu peux le voir, si... ouais, mais c'est pas... tu peux pas le voir, du coup, si c'est Amaury ici. Non, mais quand tu passes ta souris dessus, ça te dit rien. Ouais, voilà, ok. Et, donc, c'est et ça peut être soit Amaury, soit le linceul pour qu'on commence tous séparés. Ouais. Ça peut être aussi le truc... Non, je crois qu'il y a que ça. Hein. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Hein. Mais bon, généralement, ils mettent pas les trucs pour qu'on soit séparés. Sans battre les couilles. Oui. Ça les arrange pas qu'on soit séparés. Ils doivent courir après tout le monde. Pourquoi je te suis debout, moi? Il y a la chaque. Ah, il y a une couronne. Nickel. Par contre, j'aimerais savoir qui est le tueur. Ça m'angoisse. J'aime pas ne pas savoir. T'as frisson? Ok, non, j'ai un truc. Je vois un truc qui court là. Ça, je crois que c'est Dwight. Mais je sais pas pour quel motif il court. Par contre, il n'y a pas ruine. T'as frisson ou pas? Nope. Mais je suis avec un Dwight qui a montré ce que vous savez faire. Ok. Ah, moi je suis dans la chac en train de faire le jeune. Bah nous on est juste à côté là où il y avait la couronne, tu sais. Ouais. J'avais même pas vu qu'il y avait un jeune. Ah. T'as frisson? Ouais. Oh non. Oh pas lui. Ton fusil là. Bah ouais, mais ton perso là.
Il m'a perdu. Mais qui est con? Il t'a perdu? Quoi? Oh, son tir, ouais, bah lui, il a pas le compas dans l'œil, hein, je te le dis. Hein. Je crois qu'il m'a perdu. En tout cas, le gène à l'achat, il est bien. Hein. T'es bien, bien midlife au moins. Je vais y aller. Ok, il m'a perdu. Ouais, ouais, il est reparti au cirque. Ah oui. Il a bien perdu, quoi. Et en fait, j'ai suivi le Dwight, vu qu'il avait montré ce que vous savez faire. Il est parti au cirque, et il y avait la Meg, qui était en train de faire le gène, déjà. Et ils l'ont fini au moment où le tueur est arrivé. Arrête de couiner! Ah ouais, mais il crie trop, mon perso, il est con. Je vais me mettre contre la fenêtre, moi. Il a pas le compas dans l'œil, promis, c'est pas moi qui joue tueur. Non, mais y'en a qui savent pas viser, hein. Ils jouent le lance-mort, mais tu. Mais quand je dis qu'il sait pas viser, c'est qu'il m'a. Il a voulu faire un hit, il a tiré dans le ciel, quoi. À ce moment-là? Ah ouais. Ah, parce que t'es pas du tout dans le ciel, hein. Tu vois pas, hein. Non, non. Il y a un souci. Hey, ça m'a bloqué avec ton grand cul. Pardon. On essaie celui de l'intérieur ou. Je pense, hein. Allez. Ouais, bon, en plus, il le chase encore là. Ah oui, et bah. Ouais. On va aller en faire un autre en fait. Elle est en train de le finir, la dame. Regarde, il y en a un là. Et tu crois qu'il va toucher à un moment? Moi, je dis qu'il va toucher là. Là. Ah, voilà. Je savais. Ah, j'ai l'impression qu'il proc. Si c'était moi. Allez, juste à côté. Oh yes. Wow, 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 wow. Pourquoi il m'a vu moi, wesh? Aïe, 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 mon ami. Mais il est fou. J'étais devant ses yeux. Hein. Il t'a tué son. Ah, loupé, j'ai tourné, connard. Ouais. Eh bien, je sais pas sur qui il a tiré, mais c'était pas sur moi. Le monsieur m'a du père. Je sais pas sur qui il a tiré, mais en tout cas, il a pas tiré sur les jeunes, hein, je te le dis. Hein. Non, non, mais il m'a du père. Ouais, bah, là, il va du père la game. Hein. J'ai pris un souple et hop, et je me suis barré. Ah! Très bien. Ouais. Mais il y a une porte qui est là où il est, donc c'est un peu embêtant. Ah oui. Ah oui, il a peut-être tiré sur le corbeau, en effet. Ouais. La Meg ouvre la porte gauche du cirque. Ok. Gauche quand t'es au cirque et que tu regardes l'asile. Hein. Ah, ok. Bon, bah, je vais ouvrir l'autre porte. Bah, elle y va. Moi, j'ai un peu peur qu'il y ait une ouette quand même. Hein. J'ai fait un seul totem. Et eux, comme ils ont gen rush, je sais pas trop. Mais pourquoi? Viens, attends, laisse-moi ouvrir à 99. Bah, je pense que tu peux ouvrir, hein. On est tous là. Hein. Ah, elle la tire. Vas-y, nique sa mère. Moi, je la tire pas du tout. C'était un tenté de lancer, ça? Ouais, 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 ouais. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Regarde, là, tu touches. Là, tu touches. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, tu vas y arriver, là? Regarde, regarde. Je suis là, je vais me mettre en plein milieu, s'il faut. Il est arrivé? Ouais, ouais. Oh, il a réussi.
Allez, tu arrives. Allez, là c'est ton. Là c'est l'hit. Aïe aïe aïe. Il le coupe dès le début. Tu captes ou quoi? Ah. C'est lui qui coupe la chaîne. Allez, fais-nous des. Tu vois? Et là, il a Noël. Il s'en bat les couilles de moi, il veut la Meg, hein. Bon, il aura passé une bonne game en tout cas, lui. Ouais, il fait des points, il a compris qu'il y arriverait pas. Lui, c'est que... Non, mais lui, il est malade. Déjà, il a pas Noël. Tu sais que s'il se fait down, down. Hop là. Tu vois, il s'en bat les couilles. Par contre, viens, on sort, c'est trop tard. Ouais. On va pas rester longtemps. Allez, salut. Pour que dalle. Salut, salut. Ouais, faut quand même penser à sortir. Salut, l'ami. Ah là, j'avoue qu'ils se sont fait gêner rush les deux premiers. Hein. Ah, ils ont pas été très contents, non. Ils ont pas été très fut-fut non plus, hein. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que j'ai même pas pipe là-dessus. Bah non. Trop facile sinon. Bah non plus. Force brute, bricolo, surveillance, je trouve jouer. Il cherchait à faire quoi au juste? Ah bah c'est un russe. Oui, mais pourquoi il a joué bizarre? Ah, mais l'autre c'est pas un russe, c'est un ukrainien. Ah. C'est pas pareil. Et coucou toi, comment tu vas? Ouais. Il a combien d'heures de jeu lui? On voit pas. Non, on va pas. J'espère du coup qu'il connaissait mal ce tueur. Je pense parce que je comprends pas là. Là, je comprends pas comment il a pu jouer comme ça. Ouais, ça y est, il commence à parler russe. Ouais. GG, well play. On refuse. Let me heal you. I two pipe. Oui, bah, I two pipe. Oui, égoïste, va. Bien sûr, l'Ukrainien a parlé en ukrainien, tu vois. Il a pas dit GG, rien, ils sont battu les couilles. Je parle dans ma langue, démerdez-vous. Traduisez. Yes? Bah écoute, oui, ça gagne. On vient de faire deux games, on a Gen Rush. Et tueur était nul à chier. Le premier, il voulait absolument tuer une seule personne. Mais sauf qu'il s'est concentré que sur lui. Du coup, bah, il a tué personne. Et le deuxième, on n'a pas compris comment il jouait. Là, c'était bizarre. Aïe. Il a fait des moves bizarres. Mais toi, ça va? Il aurait fallu Google Translate. Ouais, mais non. Parce que tu peux pas copier-coller ce qu'ils écrivent. Du coup, tu peux pas... Et moi, j'ai pas les touches. T'as quoi, c'est papa? C'est une blague, là? Il m'a bouffé la deuxième perc et la... M'énerve, cette toile, m'énerve. Merde. T'as aimé mon message sur Messenger? Avec la musique de Je suis la carte? Eh non, je peux pas copier-coller, c'est ça le problème. C'est pas ça que je voulais voir, putain de merde. D'accord, il me reste une perque à monter. Et après, j'ai fait une. Après, je passe à Meg. T'expliques pourquoi on m'a pas laissé la prendre. Je sais plus les points. What's up, Kennebelai? What? Ouais. Très marrant, on réveillait les buts. Ouais, je vais baisser les volets parce que je suis un peu trop surexposé là. Ah, gâteau, ouais, ouais. Allez, il se refait le suspense. Ouais. Le tueur, il a rien mis. Il est pas fun, non hein. Je peux pas avoir du fun tout le temps.
parti Il est un peu pas un loin. peu... Je comprends pas. Il est bizarre le ciel, non, un peu? Ça a pas l'air très très... Je sais pas. Je sais pas s'il fait chaud dehors. Je suis pas sorti encore. Et gros, il y a soleil. Ouais, il y a le soleil, mais moi de mon côté... Mais Il y a soleil, mais il y a soleil, quoi. on Pas n'habite pas trop. très loin, quoi. Il y a soleil. Ouais, mais d'autres... Non, mais oui, non, il y a le soleil, ok. Mais d'un côté... Oh, c'est moi, je suis blind, peut-être, je sais pas. Peut-être. Mais t'as des volets fermés ou comment ça se passe? C'est fermé, là. Ah À bah ouais, moitié. bah je t'assure qu'il fait soleil dehors. Hein. Ok. Moi j'ai la terrasse, elle est inondée de soleil là. J'ai le chat qui est sous la chaise en mode laisse-moi tranquille. Oh, Blight. Bah du coup ruine. Toi, du Oh, coup, tu l'autre peux pas avoir qui est un l'un sans coup, l'autre. la... Bon, je suis où là? Ruine. Ok, je comprends où je suis. Si on pouvait vite trouver leur une, ce serait cool. C'est toi qui fais le gène là? Je sais pas, je suis à la chaque moi. Ok, donc non, c'est pas toi, c'est l'autre. Dès que je Moi, je récupère mon pars prime, un je le petit peu passe. dans Oh, 100 ma moi. chérie, trop gentille. Ah oui, pardon, t'as le Léon simple et 3. Excusez-moi, monsieur. Yeah. Je ne voulais Oh, pas je vous vexer. t'excuse, je Ah, t'excuse, y a pas de bah le problème. green est mort. Ah! Mais il est sur toi. Non, il est parti. Ah bon? Ouais, il est parti. Il est sur Big Booty Jane? Bah, je sais pas, mais il a dû voir le rune péter, il a pas dû être content. Ouais, mais moi. En tout cas, c'est bien le ruine qu'elle a pété. Ouais, c'est cool. Bah, Mais il moi, y a je un vais truc prendre qui la m'intrigue, c'est que. Un fléau sans immortel? Vraiment? Hein. Vraiment? C'est pas un peu chelou? Ah, de toute façon, il y a déjà deux. Oui, j'ai cassé. Ça sent le Noé de plein nez, ça. Oh non. T'es. Oh non. T'es. Ok, je quitte. Tu? Je quitte. Petit joueur! Jamais. Il a l'air un peu nul en plus. Quiproque, il est pas loin. Oh, il a pris la fenêtre, le bâtard. Oh, oui, il est pas loin. Il est très bizarre ce joueur-là. Il est venu, il est reparti. Mais je crois qu'il je sais pas si chase pas Léon en fait à côté. Bah, Léon, il est en train de faire un jeûne au bout de la map. Il a pas fini? Attends. Oh. Quoi? Quoi? Non, c'est bon, c'est bon. Il est vers moi, je crois. Je l'entends. Mais t'es Mais je où? sais pas si. Alors là, dans un coin de map. T'es toujours derrière la jack? Non, non, je suis parti de l'autre côté. Bah de l'autre côté, c'est là où il y avait le gène justement du Léon. Dans les ruines. Il a commencé tout à l'heure quand j'ai checké le. Bah le ruine. Ouais, voilà. Il est ensanglanté ce Léon? Oui, bah c'est le bon Léon. Je vais de l'autre côté hein, parce que. Si je trouve une clairosse, c'est pas. Eh hey, qu'est-ce que tu veux? Le jeune, tu peux le faire tout seul hein. Y'a pas de place pour moi. J'aime pas ces gènes-là, putain. Ouais, mais pour moi j'aime pas comme clic-clic là. Attends. Je vais te blind. Oupsie. Ah ouais, il est nul en fait. Non. Je le vois, le frisson proc, je sais pas où il est. Oh bah ben merde. Ah, il arrive sur toi. Oh du con. Ah Oh bah espèce d'icoulin, de merde toi pour te soin. Il est Il se nul hein. pisse. Il se pisse du connard.
Non mais je suis en train de suivre la Nancy pour la île, elle veut pas, elle est morte de toi. Oh merde, oh con. Que ce soit pas ça. J'ai peur. T'as peur? Il est parti, il est parti. Mais il est trop con. Mais j'aime pas jouer contre lui là, il me fait peur. Oui, alors que tu aies peur sur un blight qui s'est joué, je peux tout à fait comprendre. Il a accroché personne, il y a 3 gènes de fée, détends-toi. Ouais, mais bon, quand même. Ah. Ah, il fallait me laisser te soigner, cocotte. Je serais pas tombé comme une merde. Voilà, il va faire un premier hook. Super. Voilà. Ah voilà, le bon Blight, il est là. Ouais, non, c'est mais elle est nulle aussi, elle a merdé, hein. Il est pété? Ah non, il est pas pété. Je sais pas où il est. Ouais, bon, moi je me suis un peu donné là. Tu vas pas faire ça quand même. Le tunnel? Ouais, je crois qu'il tunnel. Ah non, il tunnel pas. Mais t'avais. Non! Tu m'as aveuglé aussi! Hein? En fait, tu m'as aveuglé à moi, mais pas à lui. C'est ça? What? Il est où? Il campe? Ah mais attends, mais c'est pas toi le lion à côté de moi? Non. Fuck! Il m'a aveuglé! Avec sa grenade! Ah. Et oui, il campe parce que le lion il est parti et l'autre il a perdu déjà. La Nancy elle cavale à l'autre bout de la map, je comprends pas trop ce qu'elle fait. Là j'ai pas beau au moins. J'ai envie de dire chat pour la fille, mais c'est une survivante, ça vous arrange pas forcément. J'ai borrow time, je me casse. Du con. Ah, je me suis trompé, putain, je l'ai pas vu. Okay. Alors c'est ouf, la Nancy elle le tient super bien. On fait 4 gens tranquillou. Ça nous arrive sur la gueule et puis personne qui fait des gens, on tombe tous. Si l'autre elle finit le gène. Elle finit un gène. Oh putain, elle arrive sur. Je sais pas qui, sur Léon. Léon. Ah, elle finit une gène. Normalement, elle devrait bientôt le finir, je pense. C'est vraiment qu'elle est dessus, je crois. Vas-y, tu cours, Tabor. Vas-y, je cours dessus. Non, me tape pas. Aïe. Putain. Je vais aller sur la save. Je sais pas où il est, hein. Bah il t'a suivi parce qu'il est plus là hein. Non. J'ai pas... non, il est wow. Pas sur moi. Il arrive sur vous. À mon avis. L'autre je prédis qu'elle finit le gène dans 3. Ah bah 3. Bah non, 2. 0. What the... J'ai fait de la merde. Je suis morte. Et où? Ah. Ah bah j'ai la trappe. La trappe est devant la porte où je suis. Oh oh. Oh oh. Oh. C'est une blague. Alors bien sûr vous. Mais l'autre elle est vue du coup. Je me fous de sa palette. Doucement. Peut-être pas, j'ai la trappe. Alors là où je suis, il y a la trappe, tu peux venir si tu veux. Oh non, viens pas loup ici. Je fais la palette exprès pour que... Merci, connasse. Chef. Oh là là. Non, mais oh je me suis mis sous palette exprès pour qu'elle casse la palette si jamais il me chope. Et elle vient loup là où je suis, débile. Bon, bah on est mort, hein, je pense. Hein. Ouais. Ouais. Bien joué, madame. Alors, quelle est notre chance?
notre chance, c'est que quelqu'un arrive à se débattre. Enfin, dire que c'est compliqué. Ah bah bien sûr toi, tiens. Sauf qu'il sait non, pas que t'es là-bas. Là. Moi, je me mets dans un coin de map. Laisse-moi tranquille. Je vais laisser le lion sur le trap. Hein. Mais il te cherche, hein. Il veut pas me trouver. Hein. C'est sérieux là? Il y avait Léon devant lui. Non. Bon ben, on n'arrivera jamais à s'échapper, je te le dis. Hein. D'accord. T'inquiète. Éloigne-toi de ouf, parce qu'elle est juste là. Bon, je suis devant la porte, hein, flou. Je vais me prendre là. Non, non, mais il aura le temps, j'étais quasiment devant la porte aussi. Hein. Là, je suis vraiment dans le coin, dans le creux de la map. Allez. Allez, on tente, on tente, on tente. Un big booty chain came out. Ah ouais, mais il y a un cocher juste là-bas, terrible. Allez, tu peux le faire. Terrible. Non, tu peux pas lui, le faire. Ici, il meurt. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, ok. Mais lui, bah, il va arriver à la cave, hein. Il va te rejoindre. Hein. Je lâcherai pas, je lui laisserai pas la trappe, en tout cas. Il y a les pigeons, mais il le voit pas. Bon, tu l'as pas vu, c'est qu'il est vraiment aveugle. Et tu lâches pas, hein, tu lui laisses pas la trappe. Ah, moi je lâche pas. Parce qu'il est sur la trappe là. Ah. C'était mon dernier QTE, je suis morte. Moi je meurs pas, je laisse pas sortir. Allez, va le choper. Ah, normalement, il a vu la trappe. Oui, il va récupérer. Sérieux? Ah, il va le laisser sortir, c'est un enculé. Ben moi j'en ai rien à foutre, je lâche pas. C'est la Nancy qui aurait dû sortir en vrai, celle qui méritait. Mais attends, mais avec un peu de chance, il meurt avant. Attends. Ah non, putain, je meurs bien avant lui. Ah putain, il a plus de vie en plus, il allait crever au sol. Hein. Dégoûté. Ça aurait été marrant qu'il meure au sol. J'aimerais trop qu'il meure avant que la trappe elle s'ouvre. Putain, oh un millième, non. un millième de vie il avait. Ah ça aurait été trop beau qu'il meure. Putain non. Bon. Bon, je fais une petite pause, je vais aller manger. Tu vas aller chercher un Intermarché en bas de chez toi? Non non, je vais manger là. Ça marche. Du coup bah je te dis à tout à l'heure. Si tu veux encore. Bah oui, oui. Je vais aller voir de manger un bon aussi parce que j'ai faim. Vas-y. Bon, moi je vais manger en live sûrement. Ok. Non mais monop. Merci bien. Bah à tout à l'heure. Ah, j'ai plus les points. Tout s'explique. Moi, si je joue seul, je mets pas bourreau par contre. Hein. Je vais mettre profil Nancy. Hein. Je vais monter en soin. Oh, je suis un peu en rab. En rad plutôt. Du coup, je vais quitter le vocal s'il n'y a plus personne. Quoique, si vous voulez me rejoindre, je reste en vocal. Voilà. C'est chaud. C'est très chaud. Putain, j'avais pas vu ton message. Biami. Parce que mon téléphone me sert de stream deck, du coup j'ai pas vu.
Je viens d'allumer mon ventilo, j'ai cru que j'allais m'envoler. Il est si puissant que ça? Faut que je vois ça après. Après ma game, je viens. D'ailleurs, on mange quoi? Parce que oui, Elfraise est en télétravail, hein, du coup, je peux me permettre de lui demander qu'est-ce qu'on mange. Comme hier, il me l'a fait. Ta moumoute est décollée. Ça marche, bon appétit. Tu sais pas où est ce? D'accord. Très bien. Y a quoi dans le frigo? Ça va terminer que je vais manger des crevettes et du taboulé, moi. Si tu sais pas. D'ailleurs, je crois que les saucisses dans le frigo, faut les jeter. Hein. Je suis pas sûr pour la date, mais bon, moi je le mangerai pas. Donc si tu veux les manger, mange-les. Mais ça va, lui, il a qu'on mange un McDo tous les jours ou quoi? Détends-toi, hein! Oh! Alors. Yes. On va faire l'urine. Oh. S'il la touche, voilà. Il y a un totem, mais c'est pas de ruine. Il est abandonné ou quoi? Étrange personnage. Elle fait le gène, même pas elle percute quelle ruine. Bah oui. Eh ben. Faut courir, ma vieille, hein. Le but du jeu, c'est de survivre quand même. Yes, le rain est down. Ah! Je l'ai claqué pour rien, putain. Ah, c'est une blague. Bah oui, vas-y, tape-moi, je t'en prie. J'aurais jamais dû descendre en fait. Pourquoi tu parles de gens qui sont vieux et qui ont de l'arthrite? J'ai pas compris rien. C'est Gigi quoi encore? Un vrai populus, c'est très bien. Tu peux te mettre de la salade, tomate, petite sauce mayo, des oignons. Et voilà. T'as ton wrap. Non mais vraiment là! Faites un effort! Elle se fait tunnel la dame! Incroyable. Non mais je suis à la fin. C'est gentil mais j'ai fini. Et bah j'y vais pas, ils se démerdent.
peux aller en course. Non, on dit aux courses. Ouais, à Marseille, on dit aux courses. Parce que t'as dit, faut courir, ma vieille. D'accord. Pas tomate. Ok, bah pas tomate. Bah tu peux mettre... salade. Cornichon. Oignon. Non mais vraiment, là. Sois pas deg, mon ami. Qu'est ce con? Putain, la ancienne me l'a ramené, me l'a laissé cette grosse connasse. Je sais même pas s'ils m'ont fait, ils m'ont fini manger. Ah, on lui a pris, c'est très bon dans un wrap. Avec des cornichons. Non, aux courses, pas aux champs de course. J'aime et mal au cou, merci Makiba. Poulet, avocat, salade, sauce cocktail. Non. Non, sauce cocktail, c'est pour le poisson, hein. C'est pas pour le poulet, hein. Bon, bah je vais rester accroché, je crois. Bah oui, quand on peut boire, t'as raison. Ça devient pénible, là. Hein. Je vais passer P2. Merci les filles de m'avoir aidé. Fort aimable. Bah vous allez vous faire foutre, hein. Je reste pas avec vous au moins. Ah oui, généralement, on le frappe... Si tu mets de la salade dedans, tu peux pas le cuire. Parce que ta salade va cuire avec la chaleur du poulet. C'est pas ouf. Donc, je me suis fait accrocher une fois, je suis P3. Elles vont se démerder. Moi, je le dis. Je vais aller opposé de lui, je suis P3. Il me voit, je suis morte. Hello, Death. Comment tu vas?
Merde. Y'a pas ça, je suis là. Mais comment tu fais pour être là si t'as toujours pas d'internet? T'es sur ton téléphone? Oh les gars, à un moment donné, si je fais pas le gène, on va jamais sortir, hein. Soignez-vous, démerdez-vous. Oh. Ah, t'es sur la wifi du voisin. Ouais, il est au courant, le voisin, ou... Ah bon, ça va alors. Mais comment ça se fait que le voisin d'internet et pas toi? Vous êtes pas sur le même opérateur? Oh, bouge-toi d'ouvrir. Bouge-toi, il arrive en frénésie. Oh! Oh, j'attends pas mon reste, je me casse. Toi, free, lui, free, toi, orange. D'accord. Ouais, heureusement qu'il est sympa, le voisin. Bonne nappe, Mikayo. Aïe, 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 aïe. J'avoue qu'il a campé tunnel, hein. Pourquoi? On sait pas. Tu manges quoi, Mikayo? Ah bon? D'accord. Je suis toute seule, mais il y a quand même des erreurs. Ok. Et voilà.
Ma Fangaming est officiellement P3 full perk. Du coup, la prochaine sur la liste, c'est elle. C'est Takashi Hariko. Je sais pas encore parce qu'elle fraise n'a pas choisi. Ouais, heureusement qu'il y a le voisin, n'empêche. Hein. D'accord. Apparemment, ils veulent absolument que je joue Libération. Mais j'ai pas les moyens. Et sur elle, j'ai des gâteaux? Yes? Oh! Par contre, j'ai un bulle de. Un gamblé, quoi. Attendez! Je voulais pas jouer, mec. Je vais jouer Fangaminga. Avec tous les gâteaux. Ouais, heureusement que le voisin n'est pas chez Orange aussi. Hein. Sinon, pas de wifi, pas d'internet. Moi, avant que ma voisine déménage, on avait Bouygues toutes les deux. Et donc, si j'avais un problème chez Bouygues et qu'elle en avait pas, c'est que c'était Maline qui merdait. Si elle et moi on n'avait pas internet, télé, téléphone, c'est que les rats avaient bouffé les câbles. Donc pour ceux qui sont là, je vous préviens cet été, s'il y a des moments où je ne peux pas faire de live, je vous enverrai des messages parce que les rats ont tendance à bouffer les câbles de la fibre de chez moi. Je suis sur un boîtier 4G et je ne peux pas live parce que je galère à peine à jouer. Ça marche, Jess. À tout à l'heure. Oh, joie pour les rats? Oui. Oui, j'aime bien les rats. Ironie, hein. C'est honteux. Ouais, je suis d'accord. Ces rats sont méchants. En plus, il y a un trou dans le trottoir devant chez moi, et c'est là qu'il y a les câbles, justement. Et à chaque fois, on leur dit, ouais, mettez, je sais pas, mettez un truc pour que ça protège les câbles. Mais ils m'ont dit, ouais, mais les rats, ça bouffe tout, donc on peut mettre ce qu'on veut, au final. Voilà, quoi. Du coup, ben, on est obligé de les appeler chaque année. Bien sûr, on n'a plus Internet. Hein. Après, ils te disent, oui, on va vous envoyer un technicien. Oui, ben, vous en envoyez deux, en fait, parce que les rats ont bouffé les câbles. Il te croit pas, tu sais, parce que c'est jamais le même que toi au téléphone. Plus de TV, plus de téléphone, plus d'internet, on a plus le fournisseur qui a fait venir un technicien. Voilà. Sauf que nous, on les fait venir en leur précisant, les rats ont bouffé les câbles. Prenez de quoi? Attends, Mikaio, je te réponds un peu après. Déjà, il y a ruine. Bah oui, tu m'as déjà tapé, connasse. Ah, parce qu'en plus, tu focus. Ah, t'es ce genre de tueur débile! Très bien. Bah vas-y, hein. Comment on en est? T'es trop con.
On aurait dû payer l'intervention, c'était un souci chez nous. Technicien, mais je sais pas trop quoi dans son rapport, mais on a rien payé. Bah tant mieux. Il y a 2 ans, quand un enculé est venu poser une fibre à mon voisin. Il y avait plus de place pour raccorder. Il a fait quoi, ce chien? Ben, il a coupé ta ligne, il a raccordé sans pression. J'ai un boîtier. J'ai les escaliers qui mènent à la cave, en fait. Et dans les escaliers, t'as le boîtier. Tu sais où t'as tous les raccordements de tous les étages, avec toutes leurs lignes et tout. Il y a des entubés, pour rester poli, qui s'amusent à débrancher n'importe quel câble pour eux récupérer internet. Du coup, subitement, on n'a plus internet, on sait pas pourquoi. Le ruin est down. Cool. Pouvoir arriver à faire quelque chose au final. Le ruin n'est pas down. Ah, ils sont chiants. Hein. Sans déconner, fais un effort. Déjà, tu tombes à côté de moi, l'autre, elle est même pas décrochée. La première, elle est sûrement en train de se soigner. Moi, j'irai pas, ils se démerdent. Hein. Il va me venir dessus, c'est sûr. Ou pas. Je finis le gène, papy, j'arrive. Parce qu'il faudra au moins qu'on en sorte un, quoi. Histoire de faire bonne impression. Alors par contre, papy, je te décroche, mais tu te démerdes. Hein. Je te soigne pas. Je te démerde. Bon, moi j'en ai marre d'avoir ruine, là. Chercher le ruine. Mais on a trouvé le ruine. Fallait demander. Fallait juste demander. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ruin ou t'es rentré? Ruin. Nice ça. Je peux buter papy. Parce que si il a fait ça et qu'il a pas le gant. Je vais buter papy. Chef, c'est fait aveugler. Ouais, je sais. Mais bon, papy, il fait les crochets juste à côté de... Ben voilà, quoi, de tout le monde. Chat! Eh ben, mazel tov! Je vais aller gauler la mec, j'en ai rien à battre.
Eh oui, ma chérie. C'est vrai, j'ai pas besoin, moi. Bon, ben, je vais pas par là, du coup. Il y a un générateur, là-bas. On peut faire un générateur, là-bas. Meuf, hein. Il y a deux thèmes blingués, hein, quelque part. Hein. Je sais qu'il y en avait un là. En fait, c'est quand t'as la carte, l'objet carte, tu peux. La pétasse, elle est en train de faire mon totem. Bon bah, démerde-toi. Hop, non, tu te démerdes, rien à foutre. Du coup, je te disais, quand tu as la carte, tu peux mettre un add-on dessus pour que quand tu vois un endroit, un totem, un gène, un truc important que tu peux pas faire, que tu es en chase, tu peux mettre un espèce de point lumineux pour que justement, si ça, ça passe, je suis trop forte. Je suis trop forte. Pour que tout le monde le voit. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui a une carte et qui met des trucs... genre là, tu vois, elle est en train de montrer que le gène, là-bas, est quasiment fini. Parce que je sais pas si tu vois, mais les picots, les 4 picots du gène sont en train de bouger dans tous les sens sur l'autre, là-bas. Ça veut dire qu'il est quasiment fini. C'est pas mal, mais bon... Salut! C'est pas mal, mais il y a mieux comme objet. Pas la meilleure compétence, mais éventuellement... C'est pas une compétence, c'est un objet. En fait, tu vois, là en bas, j'ai ma boîte à outils, en jaune. Donc celle-là, par exemple, tu mettrais la carte, et à la place de mettre les trucs de ferraille, tu mets la donne justement pour que tes potes y voient. Sonne-toi, papy, si tu peux. Hein. Déjà, il a tapé avant qu'elle sorte à la panne red.
Bon bah voilà, c'est que des bonnes games. Bon, à part tout à l'heure contre le fléau, où on a complètement merdé, mais ça va. Qui c'est qui est encore dedans? Oh, papy. Merci, merci. Du coup, tu vois, c'est la... Merde, je crois que c'était la méga, ça. Qui avait mis une carte. Donc, verte. Et elle a mis ça. La perle. Donc, débloque la capacité de marquer... De marqueur comme action secondaire. Donc, en gros, à un moment donné, tu vas avoir un bouton où il y a marqué « Créer un marqueur ». Et il y a tous les survivants qui le voient. Ah, c'était immortel qu'il a fait au début. C'est pour ça qu'il nous est venu. Il avait Discord. Ok. Tout s'explique. Bon, j'ai faim. Dans 10 minutes, il y a Elfresque qui reprend. Je sais pas s'il a mangé. Moi, j'ai la dalle. Non, c'est pas sur elle qu'il faut que je mette les points. C'est vrai, c'est vrai. C'est sur Meg. Non ! Le gâteau ! M'embrie le gâteau ! Par contre, à la place de ça, clairement, on va mettre ça. Hein. Bon, je reviens, j'ai faim. Je crève de faim. Du coup, je vous mets... C'est comment déjà la pub? Je crois que je l'ai viré. Non, c'est ça la pub, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est la pub, ça. Bah, j'ai balancé une pub. À de suite. Mais ta gueule, toi. C'est la petite.
T'as mis le pied sur le moment, t'as touché le moment. Chat est avec toi. Et le chat est où? Il n'y a pas de flash avant tout cas. Et me revoilà avec la bouffe. Donc, mets-toi prêt.
Bon, à tout moment, on va voir un chat sortir, étant donné que je mange des crevettes du saumon. Et qu'elle va venir me piquer. Sociophobe? Je suis sûr que c'est des Français. Ukrainien? Rien à voir. Squeletton ukrainien, déjà 8 centimes. Et ow, not loop, Italie. Très bien. J'ai la brassière qui me fait très mal. Je pense qu'on va pas faire un gros live, les amis. Là, j'ai vraiment très très mal. J'ai qu'une envie, c'est d'être à poil. Tout me gêne. Des gâteaux, encore des gâteaux. On peut faire des points, nous. Hello Shuba, comment ça va? J'en étais sûr. Devinez qui vient de sortir du lit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une crevette ou du saumon? Parce que t'aimes pas le citron. Et rien. Bah écoute, ça va, Chouba. Un gros coup de soleil, j'ai mal partout, mais ça va. Et merci. Tu veux une crevette. Très bien. Attendez, je donne la crevette à mamzelle. Petit morceau, bien évidemment. Non, le chien, il a eu son morceau de saumon tout à l'heure. Non, mes crevettes, elles se sont barrées. Mais il va me suivre encore longtemps, lui. C'est quoi l'intention du tueur là de slug? Et lui, il aurait pu aller la relever, ce trou-tuc! Je vais retourner là-bas, du coup, hein. Je fais que des allers-retours. J'ai pas éternué, ça a pas plu à Makiba qui est parti en miaule. Et ouais, t'as baigné. Ah, elle a fini la crevette. Elle en va encore.
Non, elles sont pas vivantes, mes crevettes, qu'est-ce que tu dis? Oh, il a une dégaine sans Félix là! Incroyable! Salut! Ils vont pas la sauver là? Vraiment? Ok. Donne-moi, j'ai du citron sur le menton. Merci. Je vais essayer de mettre un peu sur le menton. C'est une blague là. Non. Putain, la palette quoi. Je suis pas très concentré là, j'ai faim. Ah d'accord. Ils sont combien à me courir dessus là? Et remis Caillou. Ouais, c'est un peu compliqué Ariane là. Et je t'avoue que. Manger pour récupérer l'énergie, c'est ça! Comment ça, ça a gueulé hyper fort dehors? Les gamins là, du premier étage? J'ai envie de te dire, même moi j'ai pas entendu.
Comment ça, non? Dans le couloir? Putain de merde! Non mais gros, y'en a un que t'as jamais accroché en fait. Voilà. Normalement... Je t'explique mon Félix, t'as intérêt à prendre le coup s'il arrive. Hein. Voilà. Non, parce que t'es P2, non. On est P3, non. Il m'a cagué, ce con. Il joue réparateur, le bâtard. Même les cris, on les entend moins. Si ça sature le micro, fait non, mais pas ça. Sérieusement? Comment j'ai envie de le laisser crever le Félix là? Je vous dis pas. Hein. Non, ils font pas d'effort. C'est terrible. Oh, ce génétique quasiment fini. Il a le tour joué ou quoi? Tiens, trace ta route. Fais ta vie, je fais la mienne. Ah, vraiment? Va le chercher lui, là. Tu saoules. Le mec, c'est la première fois de sa vie qu'il est P2. Je me sacrifie pour aller le chercher. Et l'autre, il fait quoi? Il se barre alors qu'il a bourreau, il aurait pu prendre le coup. Enfoiré. Aucun effort. Non, ils sont nuls, c'est dos. J'ai pas entendu que ça s'insultait dans l'immeuble. Vas-y, on va se faire un plaisir de regarder le Félix crever. Mais what? Sérieusement, ils sont potes? Il mérite pas. Il mérite pas. C'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Tu parles de des mecs là, hein? Pas de moi, j'espère. Mais t'as pas déjà mangé, Ariane? Parce que tu devrais pas être impacté si t'as mangé. Non,
Il méritait pas. D'ailleurs, Mikayo, t'as raison, il fait pas très beau. Hein. Il fait mi-soleil, mi-pas beau. Je sais pas trop. C'est bizarre. Un peu ce matin, mais le midi, t'as pas mangé le midi? Faut manger, madame, le midi. C'est important, hein. Oh, c'est bloqué. On est bloqué. Bloqué, bloqué. On va retenter, hein. J'ai quand même pas de chance, on sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Je suis pas blind, Victor. Non, ça va. Mais du coup, pendant que moi je devais avoir du soleil, toi tu dois avoir du pas beau. Parce que là, il fait pas beau. Ah, il fait nuageux plutôt. C'est blanc. Victor pour mes caillots. Non, mais j'ai pas faim. Enfin, juste envie de manger de la sauce boulot, mais sans appétit. Ah ouais, même pas les pâtes en fait, juste la sauce. Mais il met un ingrédient secret dans la sauce que t'en es accro ou comment ça se passe? Encéphalopathique. Yes. On va dire que ça accompagne. Alors normalement, c'est la sauce qui accompagne les pâtes, pas l'inverse. Là, je suis en train de m'inquiéter sur la quantité de sauce que tu mets sur le peu de pâtes qu'il doit y avoir dans ton assiette. Yomsen, tu veux des crevettes ? Ah, ça pue le mori. On aime quand ça pue le mori comme ça. Bah rien de très spécial, mais en ce moment j'ai envie, je sais pas pourquoi. Si tu pas de kidos, bah heureusement. Sinon je crois qu'il y aurait plus du tout de sauce bolo. Et il resterait que les pâtes. C'est ce qui m'arrive avec quand je fais mon poulet au curry. Je mets beaucoup plus de crème fraîche qu'il faut, juste pour avoir plus de sauce. Bon, ça va, j'ai pas besoin de l'avoir devant, je peux le piter à côté. Ça devrait aller. Non, je suis droitière, on va le mettre là. Quoique... Non, on va le mettre là. Si tu veux revenir jouer, Mikayo, tu reviens. Hein. Je suis toujours en vocal. Hein. J'ai tellement peur que ce soit une chasseuse. Tu parles de curry, ça me donne envie de tout. Ah oui, là, je m'inquiète. Oh non, pas eux, putain. Ça marche, merci.
parle de curry, ça me donne pas envie du tout, alors que j'adore ça, je dirais même plus que la boule normalement. C'est inquiétant là. Des envies spécifiques. Je nie d'une douche trop chaude, tu m'étonnes. J'allais dire un truc, mais je vais me retenir. Parce que sorti de son contexte, ça peut très très vite partir en couille. Donc je vais rien dire. Elle a sorti Victor, la connasse. Mazel tov! On a réussi à sortir un gène. J'ai très peur de croiser Victor du coup là. Oh, totem. Elles branlent quoi les autres? Elles font des générateurs ou. Je suis en panique là, je vous dis pas. Hein. Pour info, on est en train de jouer contre les jumeaux, pour ceux qui connaissent pas. Les jumeaux, tu as la Charlotte que tu vois là-bas. Et à l'intérieur d'elle, elle a Victor. La capacité première de ce personnage, c'est que le tueur peut interchanger entre les deux. Un coup il peut jouer Victor, un coup il peut jouer Charlotte. Et il peut laisser Victor dans un coin pendant qu'il joue Charlotte et inversement. Sauf que Charlotte fait la taille. Une très grande taille. Victor est tout petit, il fait à peu près la taille de du totem, voyez-vous. Tu l'entends seulement parce qu'il fait des. Qu'est-ce que c'est? Oui, tu vas en avoir 2 minutes. Ils sont plus flippants que d'autres joueurs, je trouve, complètement. Merde, attends. Tiens, mon sang, mange-toi. Nice. Où elle va, elle? Me laisse pas, si Victor il arrive, faut que tu le prennes. J'en veux pas, Monsterer. Ah ouais, Nemesis, ça nous lance. Ouais, même Freddy, il est plus mignon à côté. Ouais, ils sont terribles. Tu l'as vu, le Victor, là? Et là, on a Charlotte. Quelqu'un la récup. Peur contagieuse de merde.
C'est franchement logique, le tueur devrait même pas avoir besoin de choisir la perque pour le coup. Je vais aller faire la gêne de là-bas, je serai plus tranquille. Surtout le gamin qui est flippant. Ouais. Même la chasseuse, elle est gentille à côté. Oupsie. Et merde. Faut pas être partout. Ah putain, elle est morte. Voilà, le mort est... Je me casse. Voilà. Je déteste jouer contre eux. Et en plus, elle mourit. Oh bah, je reste d'abord. Moi, je vous le dis. Elle se démerde. Sur le problème, c'est que la fingue, elle voulait pas aller sur la blonde, là. Elle, elle était occupée en train de prendre le tueur pour qu'on puisse aller la chercher. Donc ça, c'est celle qui est morte. Donc personne n'avait bourreau dans cette game. Elle serait morte quoi qu'il arrive. Strider pour contagieux, surveillance et ruine. Yes. Un tueur aussi atroce que ce duo de ses morts, c'est horrible. Dans même scène, tu voulais pas des crevettes? Même scène? Sa deuxième crevette qu'elle mange, heureusement qu'elles sont petites, hein.
J'ai pas tout vu de la scène pour aller chercher l'autre sur le crochet, mais j'ai vraiment pas pigé pourquoi personne réagissait. Bah, comme je te dis, on était en train de faire le dernier gène avec avec l'autre fin gaming. Et Nancy a fini le gène avant nous. Donc les portes se sont déclenchées. Et l'autre, elle était toujours sur crochet. Et en fait, la Nancy était plus près que nous du crochet. Donc le tueur est parti sur elle. Mais tout en restant pas loin du crochet, tu vois. Et le problème, c'est que moi, j'avais pas bourreau. Je me suis dit, il faut y aller. La Nancy, elle a la tueuse au cul. C'est le moment, tu vois. Elle prend la chaise exprès pour qu'on puisse y aller. La Feng Ming, je sais pas ce que la fait pour ouvrir la porte, mais elle a pas fait grand chose. C'est déjà pas mal, tu vois. Mais du coup, il y avait personne qui avait bourreau. Moi, j'avais espoir que la Feng, elle est bourreau, qu'elle y aille et que moi, j'ouvre la porte. Parce qu'en fait, elle serait peut-être pas morte. Merde. Oh, il y a deux méchantes perques là, ils me font chier. Faut que je prenne des dardes. Parce que souple, il passera en 3. Et j'ai pas les dardes. Ouais. Ouais. Du coup, elle est morte quand même parce qu'au final, j'ai regardé à la fin, personne n'avait bourreau. Donc, que ce soit moi, la Nancy ou la Feng, elle serait morte. Dans tous les cas. Ouais, la Nancy, elle est en train de chercher le tueur pour justement lui dire vas-y, viens. Ouais, il y a moyen, hein. Il y a moyen, mais personne n'avait un bourreau au final. T'en vas encore? C'est incroyable, c'est sa troisième crevette. On dirait que t'es pas nourri, d'habitude tu en manges que deux. Merde. Je sens comme le bœuf. Oui. Ok, vide et triplex. C'est un peu chelou. Hein. Je sens comme le bœuf. Ok. On va savoir qu'est-ce que t'as fait pour sentir comme le bœuf. Hein. Norvège. Un numéro, on sait pas. Et un russe. Yes. Qui a déjà été banni. Mais on ne dit pas sur quoi. Le triplex à 50 heures de jeu. Génial. Génial, la game elle va être très très courte. On m'explique comment je tombe avec des gens qui ont 50 heures de jeu. Quand moi j'en ai 997. Normal. Encore? T'en as une plus petite cette fois. Tu la mangeras en entier? T'es une grande fille ou pas? Elle revient encore, c'est incroyable. Ah, moi j'ai un vrai chat, oui. Mais elle aime pas le citron, donc si tu lui donnes du saumon qu'à tremper dans du citron, elle mangera pas. Heureux! Bien manger? Ce matin, ouais. En ce moment, d'ailleurs, je fais que ça. Parce qu'il y a l'anniversaire et du coup... Il est sérieux, il a claqué son blast au début, lui. Mon ami, tu me fais de la peine, hein. C'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Il y a l'anniversaire de DBD, donc en fait, on a des gâteaux qui nous donnent 105% de points supplémentaires dans toutes les catégories pour tout le monde. Et tout le monde met que des gâteaux. Du coup, tu termines sur une game où tu fais 25 000 points, tu termines à en faire 150 000. T'es plutôt content de ta game, quoi. Et comme je dois monter mes persos,
T'as mangé quoi du coup? Ok. Bah, je suis en train de manger. Ah bah 150 000 points la game au lieu de 30 000, ouais t'es content. Une spécialité colombienne? Qu'est-ce que c'est? De mon côté, Makiba serait venu sentir et aurait snobé l'assiette en mode A. Ah, le bon app, ça m'intéresse pas. La mienne, elle est toujours à mes pieds en train de me dire les croquettes, c'est pour quand? Les crevettes, c'est pour quand? T'en veux encore? Non, je n'en ai plus, c'est fini. Ah, une crevette qui vient m'aider. On va être taze. Ah non, même pas. Un genre de soupe de fromage et pommes de terre poivrons. Oh, ça a l'air pas mal. Bon, il est débile. Ils sont pas rendu compte que j'étais là. Ah! Peut-être que si? Oh, bah non, en fait. Toujours pas. Oh, tu rends fou même scène. Hein. À vouloir tout le temps des crevettes. Ouais, tiens. Ne me dis pas que tu la manges pas. Hein. Je préfère. Non mais. C'est pas comme mais j'aimerais finir mes foutues crevettes et manger mon taboulé aussi, moi. J'ai faim! La motte de queso. Pas autant envie que la sauce bolo actuellement, mais bon. C'est bizarre. Coucou Junso! Comment tu vas? Je viens de taper sur Google le nom du truc, ça donne beaucoup moins envie visuellement que la description. Il a pas fait ça. Hein. Oh non, ça va. Vous voulez voir Fengeming à danser? Yep, 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 yep. Fengeming. Depuis hier. Comment ça, depuis hier? Bon, bah il reste 5 crevettes, j'en veux plus. Je pense que je vais manger mon taboulé. Non, ça j'ai pas le temps. Un petit moment après, je dois y aller environ 2 minutes, ça marche. What? Le tueur a rage quit? Bah écoute. T'as pouvoir manger mon taboulé, quoi.
Autant les couvercles, le bon choix pour la planète. Dogo. Et il a rage kit. C'est quoi ça? Ah, c'est Nemesis. Non mais... Sans déconner là? Ils sont nuls leur emballage avant duel là. Je galérais à ouvrir. Bon du coup il avait mis discipline et la portée d'électrochoc. Très très bien, très très bien. Tueur en mousse, ouais. Bah ouais, te dev. Qu'est-ce que t'as? C'est pas une crevette là pour toi? Une petite crevette? Il y en a une, mais elle a touché la maille ou je la vois jamais. T'en veux ou pas? T'en veux plus, c'est ça? Tu m'étonnes. Je t'avoue que moi non plus. C'est pas les crevettes du poissonnier, du coup, ça dégueulasse. T'as prévu quoi de ta journée, Sunso? Tu dois passer à la déchetterie? Pour déposer un truc ou récupérer un truc? Oh, non, pas beaucoup. Du coup, là, en l'occurrence, je pourrais jouer. Oh, j'ai pris deux dards, mais je m'en servirai pas. J'aurais tellement dû prendre le souple, en fait. Des fois, je fais des actions. Un peu ridicules, hein. Pour déposer et trier mes déchets. Oh. Shunso est éco-responsable. Je suis tombé sur un truc hier sur TikTok pour les fans de Twilight. Apparemment, la maison de Bella Swan, on peut la louer pour un Airbnb. Mais, tout ce que j'ai vu aussi, c'est aussi loué jusqu'en 2035. Il y a beaucoup de fans. Vous me croyez si je vous ai donné foutu partout? Que j'ai littéralement loupé ma bouche? J'aimerais bien que le mini aspirateur vienne tout ramasser là. Vous savez, la chose à quatre pattes. Très pratique. C'est une poubelle ambulante. Bon, bah, il y aura du taboulé par terre. Faut que je passe le balai après. On va où là? À Springwood? Ok. On va essayer de pas louper sa bouche une deuxième fois. Ce sera bien. C'est aussi qu'ensuite tu as les déchets verts dans une poubelle spéciale et les poubelles. Le reste, soit tu vas dans une déchetterie, soit tu fais entrer dans le sac plastique taxé. Ouais. J'ai comme l'impression que vous vous êtes cassé la tête. Hein. Nous, on a les poubelles jaunes, vertes, bleues, et les normales.
Vous avez quand même des sacs plastiques, taxés quoi. Non mais. Au taboulé sans citron, je suis pas fan, hein. On mangera ça ce soir. Savez quoi, je reviens. Je vais tout déposer, ça m'a saoulé. Je suis là. Il est venu connu. Le train en France, c'est optionnel surtout. Bah, c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on s'en branle. Personne qui fait le tri. On a beau avoir 3 milliards de poubelles, personne fait le tri. Le tueur ne bouge pas, c'est normal. Non mais il est AFK. C'est sûr en fait. Bon, étant donné que l'AFK... Je peux éventuellement prendre mon temps, quoi. Ouais. En fait, j'aurais pu rester à AFK, ça aurait rien changé non plus, quoi.
Non. C'est chiant les tueurs AFK. Je préfère quand ils sont friendly. Parce que moi il peut te taper, t'accrocher. Toi ça te fait des points en plus. Lui aussi. Là il est juste AFK quoi. Ouais c'est la partie idéale pour manger, puis on mange, je range tout quoi. Bah loup, allez là. Chercher les totems, sur dans le cas où, dans les parages. Au pire des cas, je meurs, hein. Pas très grave. Ah, j'ai pas vu, ils ont mis des trucs sur les poubelles aussi. Bon, on va sortir. Non, on est déjà en retard. Bon, bah écoute. Tu vois, c'est ça le problème, c'est les 0 points d'altruisme. Tu peux te faire de la survie juste en sortant, parce que du coup tu n'as pas échappé au tueur. Tu vas remporter des poursuites, se cacher, sortir. Combien de temps t'as passé en vie? Altruisme, bah rien du tout. Ça c'est de l'audace du coup. Ça c'est les gènes. Noé, Vodka, Boucher Sadique et Chute de Franklin. Génial. Ah, ça c'est les gens qui veulent des pipes. Qui font ça. Qui est débile. Mais dans un sens qu'ils ont raison. C'est, tu vois, 16 000 points la game, quoi. C'est pas ouf, hein. J'aurais même pu prendre elle pour jouer, c'est vous dire. La game était nulle, hein. Je t'écoute, Sunso.
qui veux-tu que je joue? Choisis vite, il te reste 1 minute. Donc tu as dit que tu aurais pu faire la game avec. Avec elle? Si tu veux. Du coup, avec elle, j'ai coudé, répété, silencieux, force intérieure et. Et surplus. Okay. Elle est pas trop belle, ma Meg. Cette tenue, genre bohémienne, là. Pas trop belle. Diseuse de bonne aventure. Ouais, c'est ça, c'est bohémienne. Hein. Ça me se bat un peu. Quand je vois par rapport à la carte d'identité ou par rapport à la banque que je mets. À la France, 20 ans de retard dans la tronche, je crois. J'ai pas compris ta phrase. Pour la carte d'identité en France, c'est toujours la version en bout de papier plastifiée pour la plupart des gens. Alors que ça fait plus de 10 ans que je suis en Belgique et qu'en Belgique, c'est des cartes électroniques. Ah bon? On est un peu vieillot en France, on aime bien la version papier. Ok, je vois où je suis. On n'a plus en Belgique depuis plus de 10 ans. Bah oui, mais ça arrête de courir. C'est tout premièrement, c'est assez simple à faire en plus. J'ai pas envie de la faire cette game là, je te le dis. J'étais en train de me soigner, ça me casse les couilles. On a trouvé aussi horrible que Charlotte, ça y est, le monsieur à la cloche. Bon, il est pas moche, mais il est juste invisible. On va remettre les choses en contexte, il faut des gens avec des cerveaux pour mettre tout ça en place. Y a-t-il des cerveaux en France? Nope, problème résolu. Si gouvernement, t'as quand même des cerveaux pour mettre des choses en place. C'est une blague en fait! On va te faire foutre, non?
vas te faire foutre. J'avais prévenu, tu vas te faire foutre. Non mais je vais la faire ta game Shunsu, c'est juste que je suis morte quoi. Il y a deux gènes de sortie, ça se demandait comment. Alors qu'il y a ruine. Le ruine n'est pas tombé. Elle a rage kit. C'est un concept. Et il est chiant. Mais va le chercher, putain! Arrête de tunnel, va chercher cet enculé! Putain, ça devient chiant là! Même pas, je me débat, ils vont se faire foutre. Ça te fait détester ce connard en fait. Moi j'en ai rien à foutre. Clairement on peut utiliser mon soupe pour ça. Voilà, t'arrêteras de tunnel mon coco, là ça commence à gonfler en fait. Hein.
Ah, c'est une connasse! C'est une dame! Je vais l'insulter, elle, hein. Je vous le dis. Toi, j'espère que tu vas crever. Dans d'atroces souffrances. Chais. Est-ce que tu as une vitesse limite pour te débattre? Non, tu as une vitesse limite. Tu vas voir qu'il va aller sur lui, hein. Je suis sûr qu'il a chili. Il peut pas le mourir. Il est P2. S'il était P3, il aurait pu le mourir. Il a pas vu qu'il était là. Chez ! Pardon. Voilà, et en plus ça joue no head. Non, c'est pas quand on veut. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'était le cas avant. Avant tu pouvais mourir alors que t'étais à peine P1. J'espère que les parties seront meilleures pour la suite. Bah, je vais en refaire une juste pour toi avec elle, mais après je vais pas tarder à arrêter de toute façon. Ça fait 3 heures de live là. Mais sinon, bonne journée à toi, Shunso. Bah, ce soir peut-être. Que des nanas! Bah, espérons que ce soit pas des connasses. Ouais. On va venger les chats. Vraiment besoin de danger. Ça dépend lesquels. En tout cas, pas Makiba, quoi. Il fait chaud. En fait, vu le temps, je dirais plus qu'il fait lourd. Genre le ventilo, t'es en train de me ventiler, mais je ne sens pas l'air tellement que j'ai chaud.
Sans compter le... Le voilà quoi. Génial, on est tous les trois là. C'est Némésis. Espérant qu'il soit nul. Il me faudrait juste un petit totem là. Et ça, si je me fais toucher, bam, je me mets dans un casier. Je suis heal. Bon, bah, le totem sera pas ici déjà. Eh ben, elle pourra pas manger grand chose hein, si elle est par terre. Hein. Dans 3 jours, il y a le nouveau skin de Nea qui sort. J'ai tellement hâte. Elle est tellement belle. Bon, bah j'ai pris une seringue pour que dalle parce qu'il tape pas avec sa tentacule. Oupsi. Par là, il y a un zombie. Les chats n'ont pas besoin d'être vengés, je vois que le tueur est d'accord avec moi. Mais il va la fermer le corbeau, oui! Non mais...
demander au tueur de tunnel, hein. On fait une pause entre deux accrochages de Zarina. Ouais. Bah, il a tenté Nancy, mais bon. Olé, salut! Ne me vois pas rentrer, ne me vois pas rentrer. Les traces vont s'effacer. Nice. J'avais repéré un totem, là. Oui. Mais bon, la Zarina, elle s'est un peu mise sur mon chemin pour le récupérer, hein. Elle a il a tunnel, mais elle l'a cherché aussi, hein. Ah, le bâtard. Dans la logique qui me vient dessus. Salut. Tiens donc. Je vais tomber. Ouf, elle a crié la pauvre. Bon, elle reste en gêne, finissez le haut, les cavaliers comme des connasses. Il est en train de danser le... Ah bah il était en train. Toutes les deux en train de faire des gênes. Bah oui. La tienne, elle fraise. Death.
Ouf. Loupé. Oula, moi aussi je me suis loupé. Ça passe pas. Non ! Ta mère ! C'est la merde dans cette map pour trouver des gènes. Oui, mais ça va, je me suis fail. Parce que je suis dans le feu de l'action. Voilà, c'est tout. Vous avez tous les deux un A, un H, un I et un R. Ils sont pas à la même place du nous par contre. Oh mince. Il a taché ma jupe. C'est honteux. Te loupe pas par contre, te loupe pas, te loupe pas, te loupe pas. Il a fallu qu'elle tombe devant la porte là. Vraiment pas arrangeante la dame.
je suis morte. Voilà. J'aurais jamais dû venir la chercher, j'aurais dû la laisser crever. Au fait, aucun rapport. Tu as déjà joué à Phasmophobia? Oui. Oui, oui, oui. Le jeu de mort. Au moins, elle a bon goût. Ah bon? Non, mais toi, t'es pire que Ariane, sérieux. J'ai pas hype là-dessus, moi. Ah bon? Et ouais, oppression de mes couilles. Éruption aussi. Chili, le tour est joué. Oh, c'est pas que j'aime pas, c'est que les fantômes ils veulent que moi. Du coup, je reste dans le camion. Je fais opératrice technique depuis le camion, les fantômes, dès que je mets un pied dans la maison, ils me veulent, moi. C'est pénible. Puis je me chie trop dessus, donc... Vraiment beaucoup trop. Bon, il n'y a plus rien. Ils me font chier avec leur défi... Leur défi... tour. Que je ne ferai jamais. Ah, c'est mieux si le... Voilà, si ça charge. C'est plus sympathique. Du coup, les amis, on fera des games, tu seras toute seule dans la maison, je te le dis. Hein. Je mets pas un pied là-dedans, moi. Je sais pas comment tu peux dire que je suis pire qu'eux. Bon, en disant par derrière, par exemple. On dit qu'on pense direct au cul. Hein. Ah oui, vous pensez direct au cul, mais ça, c'est pas un scoop. Bon, du coup, les copains, moi, je vais vous laisser là. Non, j'ai bien dormi, mais c'est l'heure de me se foutre à poil et d'aller prendre une douche fraîche. Parce que j'ai chaud. Et surtout, j'attends que Elfraise me mette le lait sur le dos. Le lait hydratant après soleil apaisant à l'aloe vera et à l'huile d'avocat de Nivea. Donc, c'est plutôt l'heure de la crème anti-brûlure, en effet. Bon les amis, je vous donne rendez-vous ce soir 21h. Je sais pas si on fera du DBD ou du Rise of the Tomb Raider qu'on avait commencé et qu'on n'avait pas encore fini puisqu'entre temps l'anniversaire est tombé. Je vous dirai ça, je sais pas encore, j'ai pas décidé. Ça dépendra de mon humeur, de s'il y a des gens qui jouent avec moi, s'il y en a, ce sera DBD. Si j'ai pas envie de DBD, on fera du Rise of the Tomb Raider. Nous verrons. Elle est actuellement absent, veuillez le contacter ultérieurement. Et je reste dans la pièce d'à côté. Il n'est pas absent. Hein, t'as fait pas de ma gueule. Hein. Et t'es sponsorisé par Nivea. Oui, sponsor. Je déplace mon produit sans être payé, moi. Non, les crevisses vont se faire tartiner de crème. Ça va pareil. Je n'ai pas accès à la zone du dos qui est complètement rouge. Bon les copains, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h. Je vous fais des bisous. J'espère que vous vous êtes bien amusés, mine de rien, ce matin. Et puis, bon après-midi. Un peu de beurre et au four. Mais vous m'avez pris pourquoi? Je suis pas mangeable, ok? Avec de la mayo. Je suis pas comestible. Nanana. Laissez-moi tranquille. Je m'en vais. À demain, les copains. À demain, moi. Ah, vous m'avez perturbé, voilà. Voilà, à demain. Bah non, si je me fais bouffer demain. Dites que de la merde. Bon, les copains. À ce soir. Des bisous.
Rendez-vous 21h. Et je suis pas mangeable. À ce soir.